الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers auditoires, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. La vie est un bienfait du Créateur. Le fait d'exister est une chance pour chacun. Pourquoi c'est une chance? Parce que l'individu, en venant à ce monde, il peut gagner l'éternité auprès de son Créateur. Et c'est cette vision première qui va animer le rapport du serviteur de Dieu qui a saisi cette chance d'exister avec sa propre personne, avec son entourage, et en vue de cette réussite et ce succès dans l'au-delà, que ce rapport dans cette première existence, dans cette première vie, va prendre tout son sens. C'est pour cela que comprendre que nous sommes dans un espace plein de bienfaits du Créateur et qui nécessite de notre part une réflexion profonde sur la quête de ces bienfaits. Quels sont les bienfaits d'Allah sur nos propres personnes et autour de nous? Cela peut apparaître un peu étrange par rapport au thème de cette intervention, mais il est fortement lié. Car dans la vision musulmane, consommer dépend de cette conscience des bienfaits du Créateur. Et d'où la responsabilité de la personne à exploiter les bienfaits du Créateur dans le sens de la création, c'est-à-dire pour les finalités voulues par le Créateur, et non pas celles qui peuvent naître par l'orgueil de la personne. C'est pour cela que le Coran, la première source de toute réflexion chez un musulman, attire notre attention vers les bienfaits de Dieu et qui sont illimités et qui dépassent le comptage. Il nous dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous tentez de quantifier les bienfaits de Dieu, vous n'arriverez pas à les compter. Cela n'exclut pas le devoir de conscience des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, c'est-à-dire d'essayer de trouver les bienfaits en nous et autour de nous. On ne va pas arriver, certes, puisque le Coran le dit selon notre croyance, à maîtriser tous les bienfaits, mais on peut arriver à connaître beaucoup de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, lorsqu'on effectue ce travail sur soi, c'est une réflexion profonde,
on arrive à trouver les bienfaits qui nous sont dédiés. Car chaque personne a ses bienfaits qu'elle reçoit du Créateur. Ce travail de réflexion sur les bienfaits et qui va se dessiner selon la configuration personnelle de chacun, car Allah subhanahu wa ta'ala Dieu sait tout sur chacun et il lui donne selon ce qui lui convient. C'est ainsi que les choses se présentent dans notre vision. C'est pour cela que on va chercher les bienfaits qui nous sont dédiés. Alors, quelqu'un qui est dans un métier, par exemple, de travail de la terre, un laboureur ou un artisan, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vont pas être les mêmes que dans un métier, par exemple, industriel. Il ne va pas les voir de la même façon. Le rapport à la nature n'est pas le même que celui qui est dans un travail, dans un métier industriel. Mais cela ne n'empêche pas que l'autre, qui n'est pas toujours à toucher à la nature, a aussi des bienfaits qu'il doit essayer de trouver. Sa substance, le fait que c'est un moyen pour vivre et survivre, des fois même, est un bienfait que beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la société, ne trouvent pas de travail, ne trouvent pas le minimum pour vivre. N'arrivent pas à s'occuper par un travail. Elles s'ennuient de ne pas trouver ce qu'elles doivent faire. Alors que d'autres ont du travail à l'excès. Le travail devient, dans ce cas-là, un bienfait. Et lorsqu'on est conscient de cela, on revient vers le Créateur pour le remercier, le reconnaître, c'est ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans le Coran, « La in shakartum la azidannakum ». Si vous reconnaissez mes bienfaits, vous me remerciez, je vous augmenterai. Dans notre approche, bien qu'on on cherche ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité, on les cherche parce qu'on est conscient que lorsqu'on trouve un bienfait, on est responsable de ce bienfait pour l'entretenir et qu'on a un devoir de le conserver et de l'augmenter. D'où l'importance de faire valoir les bienfaits dans la société. Alors, la question des bienfaits devient centrale pour contenir les exagérations de la société de consommation. Comment ? Parce que cette approche première va développer en nous ce qu'on appellera le contentement, Ar-Rida, qui est un grand principe et une grande valeur de l'islam. La personne qui n'a pas le contentement va développer le contraire de cette qualité, un grand défaut qui est l'insatisfaction. La personne veut toujours plus, veut toujours prendre des fois même ce qui ne lui appartient pas. Des maladies comme l'envie vont naître dans la société. Quelqu'un va vouloir empêcher
d'autres à s'épanouir, à réussir, parce qu'il ne réussit pas selon les critères que le système sociétal impose comme déterminant de la réussite. Mais le fait que la personne arrive à voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala développe ce contentement qui est le premier élément de la résistance à cette société de consommation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention des croyants sur ce grand principe, il dit: regardez ou comparez-vous dans les affaires mondaines de cette vie à ceux qui sont au-dessus de votre statut, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Ils ne réussissent pas selon les critères de cette vie comme vous. Par contre, dans ce qui est dans l'au-delà, les critères de l'autre vie, qui est le sens de notre existence, c'est cette éternité auprès d'Allah qu'on cherche. Il faut se comparer à ceux qui sont au-dessus de vous, et non pas ceux qui sont au-dessous de vous. Ce rapport donc que les affaires de cette vie doivent être vues de façon à ne pas trop leur donner d'importance déterminante, et que dans les affaires de l'autre vie, il faut donner toute l'importance. C'est pour cela que la régulation du travail en islam suit le rythme de l'adoration. Vous savez, il y a 5 prières en islam. C'est-à-dire, lorsqu'on se lève, le matin, la première des choses qu'on doit avoir à l'esprit, c'est de se diriger pour parler à Dieu. Et non pas se diriger, entre parenthèses, au travail, à gagner sa vie. Gagner sa vie s'inscrit dans cette prière, ce dialogue avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va être régulé, il va être mesuré et contrôlé dans le sens premier, qui est avoir une vue toujours sur l'éternité auprès de Dieu. Donc le travail du quotidien va suivre ce sens, cette logique. Et 5 fois dans la journée, on est rythmé. Lorsqu'on est absorbé, on veut se perdre d'une certaine façon, il y a l'appel, c'est ça l'Evan, il y a l'appel qui nous rappelle le sens, qui nous dit, attention, quand on entre dans un marché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un dua. Il nous dit, c'est une image métaphorique, c'est le piège de Satan, le marché. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il nous... Le prophète, parce qu'il est... Il veut qu'on soit conscient que la consommation entraîne la personne à devenir esclave. Et la dépendance est l'outil de chaîne. Quand tu deviens dépendant de quelque chose, donc elle te contrôle cette chose. Et l'islam, dans son enseignement, veut te libérer, et il n'accepte que tu sois attaché qu'à Dieu. C'est pour cela, la question de consommer n'est pas pensée en loi seulement, mais elle est dans une réflexion théologique, éthique et juridique. Comment? Les choses appartiennent à Dieu. Et
lorsque tu es dans ce travail de découverte des bienfaits de Dieu, ces choses qui t'entourent, tu vas pour les exploiter, mais tu ne dois pas oublier qu'elles ne t'appartiennent pas, qu'elles appartiennent à Dieu. Et le grand principe dans cette exploitation, c'est le refus du gaspillage. Dieu dit « وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » Il dit « Ne gaspille pas, car ceux qui gaspillent sont les frères, le mot est fort, sont les frères de Satan. » Donc, le gaspillage entraîne une fraternité à qui? Au mal. Ce gaspillage va se produire lorsque on est dépendant des choses. Et on va vouloir les dépenser. Et dépenser sans mesure veut dire qu'on devient de plus en plus dépendant. Et lorsqu'on devient dépendant, on ne peut plus imposer les règles éthiques. D'où cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il donne la définition de ce qu'est la richesse. C'est quoi être riche? Vous savez, dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Dieu de le protéger de la pauvreté et qu'il lui offre la richesse. Et un de ses compagnons disait que si la pauvreté était un homme, je l'aurais combattu avec mon épée. Quelqu'un qui a un château de 50 pièces, à la fin il va dormir dans une pièce. Quelle illogique! Pourquoi les 50 pièces? Alors qu'il y a des SDF qui meurent de froid. Revenons à cette définition de la richesse qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a enseigné à ses compagnons. Izhed fima inda an-nas takun aghna an-nas. Il dit, ne sois pas dépendant de ce qui appartient aux autres, tu seras le plus riche des hommes. On ne te tient pas par cette dépendance. Personne. Aujourd'hui, on peut voir, par exemple, dans une société, des injustices. On peut voir de la corruption. On peut voir... Mais, parce qu'on a peur de perdre le travail, on se tait, on ne dit rien, on laisse faire. Des gens subissent des injustices et se retrouveront dans la pauvreté par une mauvaise décision de ta part et de la part de ces responsables qui les ont mis à la porte. La pauvreté, c'est nous qui la créons. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de faire le malheur des gens. C'est nous par la non-conformité à la justice. C'est pour cela, s'il y a la justice, il n'y aura pas des pauvres au sens que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que les gens deviennent dépendants. La pauvreté et la dépendance, c'est ça dans notre philosophie musulmane. Lorsque tu es dépendant, tu deviens pauvre. Et lorsque tu es indépendant, tu es riche. Ce n'est pas le montant que tu as dans un compte bancaire. Ce n'est pas les biens, le nombre de biens que tu possèdes, non. C'est cette indépendance que tu as réellement. Parce que tu peux avoir des millions sur ton compte, mais tu n'es pas
indépendant. Donc tu es un pauvre. Et c'est la réalité qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais ils ne sont pas riches. Parce que leur argent, et c'est ça le système d'aujourd'hui, de cette société de consommation, qu'on a des riches illusoires, qui ne sont pas riches réellement. Il ne peut rien faire de son argent. La société de consommation, elle envahit cette indépendance. Elle tue en nous notre singularité. Et elle développe l'individualisme. Comment? Cet individualisme qui se répand autour de nous par le manque de solidarité. Les familles sont détruites. Je me rappelle, avant, en revenant en arrière certaines années, dans un des pays arabes, je voyais que trois, par exemple, dans la famille n'avaient pas de travail. Et un travaillait, des frères travaillait. Mais, au niveau dépenses, c'est comme tout le monde travaillait. C'était la même, on va dire, gestion financière. On faisait tout pour que ceux qui ne travaillent pas ne sentent pas qu'ils sont un fardeau. Il y avait cette solidarité. Parce qu'ils n'ont pas choisi de ne pas travailler. Ils sont victimes d'une réalité, d'une injustice. Est-ce qu'on va les pénaliser en plus? Non. Ce n'est pas le positionnement qu'on doit avoir comme musulman. On ne doit pas les mépriser. Aujourd'hui, dans la société de consommation, celui qui n'a pas de travail, c'est comme s'il n'existe pas. Non. Il y a une différence entre le paresseux qui ne veut pas travailler, qui a le travail, et celui qui est victime des injustices. L'islam, dans le contrôle de la dépendance aux choses, construit ta force, construit ta résistance, construit ta liberté. Cette liberté de conscience qui est très importante aux yeux de l'islam. Car verticalement, Dieu t'observe, toi, dans ton fort intérieur. Et c'est ça qui compte auprès de Dieu. Le prophète le dit clairement, explicitement, « Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum » Dieu ne regarde pas vos apparences, ton soi-disant statut social, ton prestige, c'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est ce qui habite ton cœur réellement. Et donc, lorsque tu es libre, au sens que tu ne t'attaches pas aux choses de cette vie, mais que les choses de cette vie ne sont qu'un moyen pour arriver à cette éternité auprès de Dieu, et donc ces moyens doivent être des moyens éthiques, des moyens qui correspondent à une échelle, à une hiérarchie même, je dirais, de valeurs. Et qu'on n'a pas le droit de venir casser cette échelle, parce qu'on ne peut pas monter, on ne peut pas aller en haut, vers Dieu, si on casse cette échelle de valeurs. C'est pour cela que l'ensemble des lois qui réglementent le rapport aux choses n'est qu'un cadre pour te protéger de toi-même, c'est-à-dire de ta dépendance. Lorsque l'être humain, il est comme ça, lorsque il peut, comme il dit d'ailleurs un texte, si on lui offre un lac ou une rivière ou
tort. Il voudra prendre une deuxième. Et s'il a une deuxième, il voudra prendre une troisième. Et c'est ainsi de suite. Il ne sera pas satisfait. Il ne va pas vers le contentement. Mais Dieu, pour l'intérêt de l'homme, il lui fixe un cadre. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Si tu as plus, il y a des devoirs. C'est pour cela que un des piliers de l'islam qui vient après l'attestation de la foi, l'accomplissement de la prière quotidienne, il y a la zakat. Ça dit quoi la zakat? Le mot zakat en langue arabe veut dire deux sens, deux choses en même temps. Il veut dire la purification et l'élévation. C'est par cette règle que l'individu purifie son attachement aux choses, qu'il ne devient pas dépendant. خذ من أموالهم صدقة. Il est dit dans le Coran, خذ من أموالهم صدقة. Donc il l'appelle pas ici zakat. Il va dire qu'est-ce qu'elle fait cette sadaqa, cette aumône obligatoire. Il va dire خذ, prends de leur bien une aumône. Pourquoi? Il dit tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, afin que tu les purifies. Tu les purifies par cette aumône. Et tu l'élèves au niveau de cette échelle de valeur. Donc, ce n'est pas une purification de l'argent. L'argent n'est jamais sale dans la vision musulmane, parce que c'est une créature de Dieu. C'est l'homme qui peut se salir. C'est le rapport, c'est nos actions qui sont mauvaises ou elles sont bonnes. Mais les choses, elles sont innocentes. C'est lorsque tu voles qui est blâmable. Tu as volé cet argent, ou bien tu as travaillé et tu as sué pour l'avoir, c'est pas la même chose. Donc l'argent, c'est la même chose, mais c'est le rapport à la chose qui va définir la qualité, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. تطهيرهم وتزكيهم بها. Donc, ceux qui sont concernés par l'acte de donner la zakat, c'est ces personnes qui deviennent des propriétaires, des riches. Hein? Et donc, pour rester riche, il ne faut pas tomber dans la dépendance. Comment ne pas tomber dans la dépendance? C'est quand tu t'obliges à donner ce qui est aux autres, pour que les autres ne se retrouvent pas par la nécessité dans la dépendance. Donc ce qu'on est en train de combattre, riche ou pauvre, c'est la dépendance aux choses. Et Dieu ne veut pas qu'on devienne dépendant de sa créature. Et c'est ça l'élévation vers une vision théologique qui est que toute chose appartient à Dieu, nous appartenons à Dieu, nous ne devons pas appartenir aux choses, nous ne devons pas dépendre des choses, mais uniquement de Dieu. C'est pour cela que si on est privé malgré nous, on n'arrive pas à réaliser quelque chose, une acquisition ou quoi que ce soit, on ne va pas désespérer. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu perdant, qu'on est devenu rien, bon à rien comme ils disent. Non! Au contraire, c'est que cette chose nous a été pas prescrite. Ce n'est pas notre part des choses. Il y a la part à chacun dans la création de Dieu. Tu ne peux pas prétendre que tu vas prendre ce que tu veux, parce qu'il ne t'appartient pas. Tu fais l'effort de l'avoir, mais à la fin, c'est Dieu à qui appartient ces choses, qui va donner à qui il veut.
C'est ça le sens de yarzuqu man yasha. Yarzuqu man yasha, ça veut dire pas exclure le processus de l'acquisition. Non. Mais le résultat de l'acquisition, il n'est pas dans ta main. Et quand tu sauras ça, tu ne prétendras pas la maîtrise des finalités des choses. Et tu vas modérer ton rapport aux choses. Et cette modération va renforcer en toi le contentement qui est le véhicule de ta résistance face à toute cette emprise de la consommation. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle du halal, il ne faut pas voir que je suis en train de seulement consommer une viande qui a été abattue, d'un animal abattu selon le rite. Non, ça c'est la face apparente. Mais ce qu'il y a derrière, il y a une philosophie de vie, il y a une éthique et des valeurs qui sont... Je vous donne un exemple. Pourquoi ce rituel? Ce rituel, il humanise le rapport à la consommation. Vous savez, on met un disque qui tourne, je ne sais pas combien, à l'heure, et une chaîne d'animaux qui circule, et elle est abattue à la seconde. Hein? On n'a même pas le temps de penser à cet animal, de penser à celui qui a créé cet animal pour nous. Il n'y a rien, ce rapport humain, c'est une machine. Comment il est venu cet animal jusqu'ici, on ne pense pas à ça. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a été mal mené? On ne pense plus à ça. Ce qu'on pense, il faut consommer plus. Consommer plus. Alors que dans le rite imposé par Dieu, le créateur de cet animal est ton créateur. Il veut que tu n'oublies pas que cet animal, Dieu l'a rendu accessible pour ton existence, pour ton bien. C'est lui qui te l'a offert. C'est lui qui l'a créé pour toi. Et donc, il y a des règles à respecter dans ton rapport à cet animal. Quand on dit « Bismillah », on a imposé un temps de réflexion dans la mise à mort d'un animal. Parce que tu ne peux pas, si tu dois dire « Bismillah », tu ne peux pas produire comme bête abattue à la fin, en finale, des quantités qui suivent la cadence machinale. Impossible. Donc, tu imposes un rapport humain à la consommation. On met un être humain qui a une capacité limitée et qui doit dire, prononcer Bismillah et faire ce geste. Tout ça, ça prend du temps. Cela va jouer sur la cadence de la productivité. Mais est-ce que cela n'est pas voulu? Oui, il est voulu. Il est voulu pour qu'on ne finisse pas la journée à 50 000, voire je ne sais pas combien d'animaux abattus. Et cela, c'est une chaîne, c'est un cercle. C'est-à-dire, si on doit sortir à la fin 20 000, 50 000, il faut les produire, il faut les élever. Est-ce que réellement on peut élever ces nombres-là? Non. Donc il faut inventer des systèmes d'élevage qui suivent cette course à la production. Baisser les prix pour la... On montre donc tous un système. Alors que le rapport de l'homme à l'animal, l'islam veut qu'il le garde. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Quelqu'un qui fait du lait, qui produit du lait, fait du fromage. Vous savez, les juristes parlent qu'il n'a pas le droit. Vous savez, couper les ongles, c'est quelque chose de recommandé en islam. Hein? Ça fait partie de l'hygiène, de la propreté. C'est bien. Mais si c'est un éleveur qui
trait du lait, il devient obligatoire de les couper. Parce que, ils disent, il y a le risque de blesser l'animal par les ongles. Donc faire du mal à l'animal, dans le travail de son exploitation, est interdit. Et quand on abat un animal, on ne peut pas abattre un animal alors qu'à côté de lui, il y a un autre qui observe le sang. Vous savez, ça c'est des règles en islam. Mais c'est des règles pour garder ce rapport, qu'on ne devient pas des machines, qu'on est des humains, on a des sentiments, même vis-à-vis de ces animaux. On ne peut pas venir consommer, oui il n'est pas cher, vas-y consomme, sans se poser la question. D'où vient cet animal? Comment il a été traité? Aujourd'hui, on enlève de nous, par ce système de consommation, ce qui reste en nous comme être humain, comme sentiment. Et puis, le malheur de tout ça, c'est qu'il y a ceux qui veulent nous faire comprendre et convaincre que non, c'est ce système de rituel et tout ça qui est inhumain. Et que le système des industriels qui a remplacé l'homme avec tout ce qu'il est, sa complexité, il l'a remplacé par une machine. Celui-là, il est humain. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus. Parce qu'il y a des associations qui sont financées par ça. Vous savez, on dit que celui qui a fait une guerre dans sa vie, c'est celui qui est le plus dans le combat des guerres. Il n'aime pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a vu c'est quoi une guerre. Par contre, celui qui donne l'ordre de la guerre, c'est pas le soldat, c'est pas l'officier qui est sur le terrain, le champ de bataille, non, celui qui est dans son bureau, celui-là, il s'en fiche de la guerre. Il peut provoquer les plus grandes. C'est pour cela, le politique qui donne la décision, sans qu'il passe, qu'il a jamais fait une seule bataille dans sa vie, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose. Celui qui n'a pas le rapport réel à l'animal n'aura pas ce sentiment. Celui qui a remplacé l'homme par la machine, il s'en fiche de l'animal en vérité. Quel est le garant du bon traitement d'un animal? C'est la qualité humaine de la personne. C'est les sentiments réels d'un être humain. C'est lui, lorsqu'on développe en lui ça, c'est lui le garant. Mais lorsqu'on entre dans un système qui ne s'intéresse qu'au profit, après on s'étonne de voir les conséquences sur les mœurs dans une société. Et nous, comme musulmans, on pense que consommer a un impact sur les mœurs, sur notre conduite. Et c'est pour cela que le prophète sallam, dans le rapport à Dieu, il nous dit que comment espérez-vous que Dieu exauce vos invocations, vos demandes, alors que vous ne faites pas attention à votre consommation? Il est étonnant que le messager de Dieu lit ces deux choses. Une invocation, vous pensez de la spiritualité, j'ai fait toute la nuit la prière, tu peux penser ça. Et à la fin, je fais que lire le Coran, ça c'est bien, tu vas dire. Et donc je vais demander Dieu, Dieu m'accepte et va exaucer mes demandes. Non, en islam, ça ne passe pas comme ça. La relation verticale
elle est en connexion avec la relation horizontale à la création. Parce qu'on est responsable, on est les lieutenants de l'art de Dieu dans son univers. On est responsable de cet univers. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans cet univers. On ne peut pas venir vouloir l'exploiter de n'importe quelle manière. Il y a un cadre à respecter de préservation de cet univers, de la création. C'est un grand péché en islam de corrompre l'univers. Et Dieu dit « Zahara al-fasad fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas ». Dieu dit, il s'est manifesté le mal, la corruption sur terre et dans les océans. D'où il dit Bima kasabat aydinas, à cause de ce que les uns et les autres ont produit, ont opéré sur terre et dans les océans. Donc la responsabilité de la corruption de l'univers, elle incombe qui? C'est nous. Comment? Un des éléments de cette corruption, c'est la consommation sauvage. On ne se contrôle plus. Et ce n'est pas qu'au niveau alimentaire, mais dans tout. Et ça a un impact même dans... Aujourd'hui, je donne un exemple. La consommation des médias. Hein, de l'image. Il y a des familles qui ne s'assoient jamais ensemble. Le garçon, il est dans sa chambre, il est sur un programme. La fille, elle est dans une autre chambre, dans un autre programme. Le père, il n'est pas où. Ils vivent déconnectés. Il n'y a pas de famille. C'est une valeur qui est assassiné. Donc, qui a ramené ça? C'est cette consommation sauvage. Le téléphone devient aussi une consommation. Tu es avec une personne, je ne dirais pas à moitié, mais à 10%. Il te parle, on a besoin d'échanger, on a besoin de... Que je te souris, tu me souris, qu'on échange les regards. C'est ça qui fait les humains. Donc la question de la consommation et ce modèle qui est encouragé, qui est, va au-delà des choses. Ça porte atteinte et un vrai préjudice à l'essence même des humains. C'est pour cela que lorsque le Coran dit que ceux qui gaspillent sont les frères de Satan, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'être humain. L'être humain est l'ennemi de Satan. C'est comme ça, à la base, qu'est-ce qu'il doit? Dans son histoire première, Adam a été arnaqué par Iblis. Il y a une haine entre Iblis et l'être humain. Entre Satan et l'être humain. Comment l'être humain devient le frère de Satan? C'est qu'il y a une transformation. Cette transformation, elle s'opère à son intérieur et non pas dans sa façade. Il reste un humain, comme tu le vois, le moustache ou la femme, tu la vois dans son apparence. Mais qu'est-ce qui se passe dans son logiciel de système d'exploitation? C'est là qu'est-ce qui va se transformer. Et là, il devient un frère de Satan. Donc, c'est la conservation, c'est la préservation de l'homme qui est l'enjeu de la résistance au système de la société de consommation. Pour que les rapports entre les uns et les autres deviennent humains. Et restent humains dans leur complexité. Ça ne veut pas dire que c'est rose toujours. Mais l'homme, on a besoin qu'il reste un être humain. On ne le remplace pas. On ne l'assassine pas par un système qui
a mis au centre de cette existence le profit. Dieu ne veut pas ça. On n'est pas là pour le profit. On est de passage. Cette existence est première. Il y a une existence éternelle. C'est pour cela que quand il vient quelqu'un, et toi, alhamdoulilah, t'es à l'aise, il te demande, prête-moi un peu d'argent, j'ai un projet. Ça arrive. Aujourd'hui, non. Même, on va à interdire le prêt pour laisser le prêt exclusivement aux banques, au système d'exploitation. Hein? Mais l'humain, mon frère, ma soeur, mon ami, mon voisin, non. Tu dépasses une certaine somme, tu n'as pas le droit, tu te substitues à une banque. Mais c'est mon argent. C'est mon argent. Ah non. Il ne devient plus ton argent. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pas ce que tu as, mais ce que tu peux réellement avoir dans cet esprit d'indépendance. C'est ça qui est ton bien, c'est ça qui est la richesse. Et donc, prêter, c'est une perte au niveau matériel et financier. Prêter, sans bien sûr attendre un intérêt, hein? Mais c'est un acte de honorable en islam. Pourquoi? Parce que ça soulage, c'est solidaire. Et ça ne veut pas dire que l'islam dit que tu n'es pas perdant. Non, tu es perdant dans cette vie. Tous les savants musulmans te diront, si tu prêtes, financièrement tu es un perdant. Mais est-ce que le rapport à l'autre est uniquement financier? Si tu deviens comme ça, tu as perdu quelque chose d'humain en toi. L'islam est venu pour que tu préserves cette partie en toi. Et quand tu prêtes, tu prêtes et tu attends la récompense dans cette finalité qui est l'éternité auprès de Dieu. Je le fais, comme il a été dit dans le Coran, non pas en attente d'un retour. La nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. On n'attend de vous ni remerciement, ni récompense, ni un retour. On veut que Dieu soit satisfait de cet acte qui exprime que nous ne sommes pas dépendants aux choses qu'il nous a confiées. Mais au contraire, qu'on les utilise dans le sens qu'il a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu Dieu? Il a voulu qu'on soit solidaire. Il a voulu qu'on pense à l'autre. Que lorsque je vois, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon voisin qui a faim, je ne peux pas manger à l'aise. Aujourd'hui, ils vivent 20 ans, 30 ans, porte face à la porte. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il n'a pas besoin. Et je m'en fiche, il ne va pas me casser la tête. C'est un individualisme. On pense à soi, au sein de la même famille. Alors que ce n'est pas ça qui est voulu. Une prise donc de conscience quant à notre réalité et à notre transformation. On est en train de, on se transforme sans se rendre compte. C'est ça le mal. On perd de notre humanité au niveau global, hein, sans se rendre compte. Des guerres dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut que les usines de production d'armement rapportent. Alors on ne va pas laisser les armes comme ça. Il faut changer, il faut que travaillent les usines. Il faut que... On est dans... Où est l'humain dans ça? Où est les valeurs? Et c'est l'échelle des valeurs. Ah oui, j'ai trop parlé. Bon. Je m'arrête sur ce point, espérant que j'étais assez explicite et clair. Et merci pour votre présence.